Pour vérifier que Novak a assez de nutriments dans son sang, on le compare ses résultats à ceux d'un individu témoin en bonne santé. Ici, on voit que dans l'estomac, il y a 90 mg de glucose qui rentre et il n'y en a que 87 qui sortent. Donc, l'estomac a gardé 3 mg de glucose pour lui. Dans l'intestin grêle, il y a 90 mg de glucose qui rentre tous les 100 ml de sang et il y en a par contre 180 mg qui en sortent. Donc, les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle.